Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour sur l'utilisation en fait quotidienne des pantalons de la marque 511. Donc là, nous avons deux strikes et ici, nous avons un des jeans. Alors, c'est pas le slim, c'est le regular, je me souviens plus exactement du modèle. Mais en gros, une maladie qui est connue et reconnue pour moi chez tous les fournisseurs de pantalons, c'est quand tu as une bonne paire de cuisses, eh bien, tu as un frottement qui s'exerce entre les jambes. Et tu as souvent peut-être eu ce genre de soucis. Donc, je voulais juste faire un retour là-dessus sur le fait que les jeans de la marque 511 ont je trouve, cette fragilité que n'ont pas certaines marques. Après, j'aime beaucoup ce modèle. Le but, c'est pas de faire une vidéo juste sur ce jean, j'en ferai une différemment. C'était juste pour vous montrer qu'en fait, sur ces modèles-là, donc vous avez la déchirure, mais sur tous les strikes aussi, j'arrive à obtenir cette déchirure. Là, vous voyez, elle est vraiment conséquente. Donc, c'est un pantalon qui était usé. Et je voulais juste attirer un petit peu votre attention sur justement le tissu. Le tissu, on en a longtemps parlé sur d'autres plateformes et même sur d'autres vidéos, sur le fait qu'en fait, la couture de ces jeans permet, donc le ripstop permet en fait d'éviter, vous voyez, un déchirement du tissu. Donc il faut vraiment tirer fort pour pouvoir l'écarter. Vous voyez, on y arrive un petit peu à force. Mais il faut vraiment forcer suffisamment fort dessus pour que la déchirure continue. Donc en fait, tous ces pantalons, donc de la marque Strike, ou en tout cas tous les pantalons qui ont ce format, donc vous voyez, c'est un petit peu croisé. En fait, c'est maillé plus exactement au niveau de la couture. Et c'est ce qui offre en fait cette résistance, le fait que ça ne se déchire pas en continu. Contrairement à un jean qui, lui, va se déchirer beaucoup plus facilement. Voilà, je peux le faire parce que c'est un jean que je ne mettrai plus de toute façon. Voilà, vous voyez, juste tirer un tout petit peu dessus, il s'écarte. Alors que ce genre de pantalon, si je tire même fort dessus, voilà, vous voyez, il faut vraiment une bonne force pour arriver à continuer de l'endommager. Voilà, c'est une vidéo un petit peu courte. Je voulais juste faire un petit retour sur cette utilisation. Vous voyez, le jean, donc lui, au bout d'un an, il a commencé à montrer des signes de fatigue. Et tous les pantalons Strike, c'était au bout de 2 ans et demi. Entre 2 et 3 ans, en fait. J'ai eu cette usure sur peu importe la colorie en fait. Les noirs sont un peu plus résistants, j'ai remarqué. Alors pourquoi, je ne sais pas vous dire. Mais j'ai trouvé le noir plus résistant que le gris ou le tan, ainsi que le kaki. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que je les ai portés à peu près à la même fréquence. Et encore que le noir, je crois que j'ai porté plus le noir que les autres. Donc vous voyez, j'ai pas de réel retour sur pourquoi le noir est plus résistant. Peut-être une histoire de teinture qui endommage plus ou moins le tissu, je ne saurais pas vous dire. Je réfléchis un petit peu et je pense avoir fait le tour de la question. Donc tout ça pour vous dire que les Strike, encore une fois, pour moi ça reste un bon produit. Clairement, je le commande et je peux le recommander même. C'est quelque chose qui tient dans le temps, qui est pratique. Le côté flex est un des plus confortables que j'ai pu avoir. Et c'est pour ça aussi que je suis parti sur la marque 511 pour tester les jeans. J'ai beaucoup de mal à mettre des jeans parce que je suis un petit peu trop serré sur l'entrejambe. Et les jeans, franchement, 511, j'ai envie de faire une vidéo dessus parce que c'est vraiment un des jeans que j'ai préféré. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.